En 2016, le diagnostic tombe. Une sclérose en plaques. Autrement dit, un déclencheur pour ma sérieuse envie de partir. Ce rêve de tour du monde à la voile va se concrétiser grâce à une formidable dynamique. Rejoignez-nous dimanche 10 juin, convivialité, partage et soutien seront au rendez-vous. On va faire un repas pour pouvoir faire aboutir un rêve que Alban a. Pouvoir parler de sa maladie et d'en partager les souffrances. Quand Giovanni m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite adhéré à ce projet pour soutenir déjà l'association CEP à la voile, mais aussi Alban qui est touché par cette maladie. J'ai trouvé son projet vraiment téméraire, si on peut dire comme ça, et ça m'a vraiment donné envie de l'aider. Moi, je l'encourage, je le soutiens pour que justement son projet aboutisse. Après, la cuisine, c'est le partage, et je pense que accompagner Alban, c'est l'opportunité de le faire. Et pour Alban, ça va être super parce qu'il va réaliser un morceau de ses rêves grâce à nous. Moi, le projet, j'y crois. Je pense qu'à un moment donné, il faut penser aux autres aussi. Alban, à l'âge de mes enfants, à 2 ans près, donc ça peut, je répète, ça peut arriver à tout le monde. Cette maladie, malheureusement, touche beaucoup de monde. Et lorsqu'elle arrive, comme beaucoup de maladies, elle ne prévient pas. Et on peut être tous concernés. Alban, c'est quelqu'un de... Voilà, qui sait ce qu'il veut, mais de la folie, oui, quand même, un petit peu, hein, parce que le tour du monde en bateau, c'est pas moi qui le ferai. Rassemblement et partage, et bien sûr, on peut donner de notre temps pour soutenir ce projet. Toute notre vie, on donne un peu à gauche, à droite, quand c'est pour une bonne cause, c'est même plus du partage, c'est tout simplement inné. C'est dans ma culture. C'est pareil, ça fait partie de ma culture. Je voulais tout de suite participer parce que si, le bonheur des autres, c'est notre bonheur. Je pense qu'ensemble, avec des bénévoles, on est plus fort. Et je trouve que ce sera génial de travailler ensemble, main dans la main. Et je lui ai dit, Giovanni, on va partir, on va faire ça pour Alban, pour tous les collègues avec qui on va. Venez voir ce qu'une personne comme Alban va pouvoir vous faire partager. Ça nous met tous dans le même projet, dans le même amitié, et ça c'est super bien. Alors n'hésitez pas à réserver pour le 10 juin. Donc on communique sur les réseaux sociaux, Facebook, la radio Fréquence Verte et ainsi de suite. Donc allez-y, téléphonez au numéro suivant. Parce que la maladie n'est un frein. Rien. Prenez le large. Avec mission. Cap Bonheur.